Bonsoir, une balle perdue traverse la salle de cours d'une école. Par bonheur, elle ne fait aucune victime dans la classe où se trouvent les élèves et leur institutrice. C'était il y a 15 jours à Sevran, un règlement de compte entre trafiquants. Ils appellent ça le business, la vente de drogue sous toutes ses formes, de la brune, de la blanche. Des centaines de milliers d'euros circulent chaque jour, l'argent facile depuis des années. On n'y fait même plus réellement attention. Pourtant, ils peuvent aller jusqu'à s'entretuer et démarrent une longue liste d'assassinats dans l'indifférence quasi générale, comme dans ce quartier, à quelques minutes de Paris, anatomie d'une cité de non-droit. Voici l'histoire d'une cité de la banlieue parisienne plutôt tranquille, en apparence. Car depuis plus d'une dizaine d'années, la cité du Clos Saint-Lazare à Stein vit un drame. Elle est devenue le centre d'un immense trafic d'héroïne. Moi, ça fait 15 ans, en tout. 15 ans, je vais au Clos. Et c'est jamais en panne. Ça va du shit à la beuh, à la coque, à ce que tu veux. Et quand je te dis l'héros, c'est que t'as le choix. T'as la blanche et la jaune et la marron. Conséquence, les dealers règlent leurs différends à coups d'armes de guerre en plein jour. En 12 ans, 9 jeunes du quartier sont morts, tombés sous les balles. C'est fils de pute, 93 teint. Juste un regard, juste une cigarette, une connerie comme ça, il peut te tirer dessus. Même tu connais pas, à un moment ou à un autre, quand il y a trop d'argent en jeu, la tête est tombe, quoi. Ils ont peur de rien, les petits jeunes. Les petits jeunes, ils ont peur de rien. Témoins involontaires de ces meurtres, mais pris en otage par une minorité, les habitants de cette cité de Seine-Saint-Denis se taisent par peur des représailles. Mais le dernier meurtre qu'il y a eu, moi je l'ai vu de mes yeux. Les premières rafales de tir, hein, c'était en plein jour. Donc il y a de quoi avoir peur. Dans cette ambiance, la colère monte. Les habitants se sentent laissés à l'abandon par l'État, par la mairie, par tout le monde. Qu'est-ce que tu veux qu'ils voient d'autre que de l'oseille, de la merde et de l'oseille? Tu vois ce que je veux te dire? C'est-à-dire qu'il n'y a que ça devant eux. Alors à choisir entre la merde et l'oseille, tu fais vite ton choix. Hein. Au final, même la justice et la police semblent impuissantes et ne le cachent même plus. Alors pourquoi on n'a pas stoppé le trafic? C'est une question auquel on ne peut pas donner de réponse. Pourquoi la délinquance s'arrête pas? Pourquoi la terre continue de tourner? Ce soir, dans Pièce à conviction, une enquête sur le fléau de la drogue qui gangrène les cités, rongée par la misère et délaissée par les pouvoirs publics. Une enquête, mais surtout un cri d'alarme. Une cité de non-droit, c'est d'abord un monde replié sur lui-même. Il a fallu de longues semaines à notre équipe pour pénétrer le quartier du Clos Saint-Lazare à Stein. Attention, ce document peut être choquant à de nombreux égards, mais il ne s'agit pas de décrire la banlieue en général. Plutôt un quartier où la République a reculé pas à pas pour laisser place aux trafiquants, à leur violence et surtout à la peur. Stein est à 6 km de Paris, au nord, à un quart d'heure de voiture seulement. La cité du Clos Saint-Lazare porte bien son nom. Une barrière de tours d'un côté, une barrière d'immeubles de 4 étages en S de l'autre. Encore un de ces beaux projets d'architecture des années 70. Beau, sur le papier. 29 hectares de petits squares verdoyants, et de terrains laissés à l'abandon. Le quartier est calme à première vue. Le Clos n'a d'ailleurs pas réellement brûlé lors des émeutes de 2005. Mais une autre tragédie se joue ici depuis 12 ans. Un bain de sang. Le 26 mars dernier, un cri résonne dans cette rue. C'est pas moi, arrête, qu'est-ce que tu fais? Ce jeune homme de 26 ans, Sori, est exécuté de 4 balles dans le dos en plein jour, sous les yeux de sa mère et de ses amis. Un mois plus tard, deux hommes casqués sur un scooter puissant sortent une arme de guerre. Ils abattent Souleyman, 30 ans, le meurtrier présumé de Sori. La scène se déroule ici, en plein cœur de la cité. Et les crimes s'accélèrent. En mai, Ensemi, un autre jeune de la cité, est abattu dans son véhicule à quelques mètres d'une école. Puis en juin dernier, Mamadou, un jeune père de famille, tombe dans un guet-apens juste à l'extérieur de la cité.
il est criblé de balles. Quatre meurtres en trois mois, et au fil des ans une dizaine, sans compter les tentatives d'assassinat. Selon les services de police, tous ces crimes de sang seraient en fait des règlements de compte entre dealers. La cité du Clos Saint-Lazare est devenue une des plaques tournantes du trafic de drogue en Île-de-France. Mais comment a-t-elle basculé dans l'horreur sans que personne n'y prenne garde, sans que la police ou la justice ne puissent agir? Pour le comprendre, nous avons passé plusieurs mois au cœur du quartier pour tenter de rencontrer les habitants. Première difficulté, se faire accepter. À notre arrivée surprise, les rues sont vides. C'est l'été certes, mais pour une cité de 12 000 habitants où se côtoient plus de 80 ethnies, le centre commercial est étrangement désert. La plupart des magasins sont fermés et seul un boulanger semble faire de la résistance au bout d'un long corridor. Merci, au revoir. Merci, très bonne journée à vous. Hein. Au revoir. Ici, les gens, il n'y a pas d'argent. Ici, les gens... Ils veulent gratuit. Des choses gratuites, le crédit, le ça, le ça. Même... Crédit sur la baguette? Oui, mais du crédit par mois. Pour vivre, par mois, par semaine, 40 euros, 50 euros pour mes enfants. Avec 40 ou 50 euros par semaine? Oui, par semaine pour vivre. On prend une baguette ici pour acheter 60 euros, 50 euros. Voilà. Avant, ça travaillait bien. Il y avait du monde. Avant, oui. Il a travaillé. Parce qu'il y a beaucoup de monde qui sont partis. Maintenant, il reste quelques qui ne travaillent pas. Pourquoi est-ce qu'ils sont partis? Ils sont déménagés. Mais d'accord, mais pourquoi? Son mari descend ici. Pourquoi la drogue, les toxicos? On ne peut pas parler ça. On ne peut pas parler autre chose. Ça, ce qui se passe entre eux, ça, nous, c'est pas, ça n'a rien à voir avec la cité. Ça, c'est un problème de eux. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Ils se tirent dessus, j'en sais rien. Mais bon, maintenant, c'est comme ça la vie. Maintenant, vous... Les jeunes, ils parlent plus, ils se tirent dessus. C'est la société qui... C'est des enfants rejetés, c'est des enfants que... La drogue, tout ça, j'en sais rien. La drogue. Des enfants rejetés qui se tirent dessus. Ces mots résonnent dans la cité. Les habitants savent donc ce qui se passe ici, mais de toute évidence, ils ne parleront pas facilement, surtout en présence de notre caméra. Certains ont pourtant été témoins de règlements de compte, sous leurs fenêtres. Par peur, ils n'en ont jamais parlé, même aux policiers. Lui se souvient, à visage caché. J'en ai vu un mort par terre. Bon, je ne sais pas s'il était un dealer ou pas, mais le dernier meurtre qu'il y a eu, moi je l'ai vu de mes yeux. Mais ça se passait comment, de nuit? Non, c'est en plein jour. En plein jour. C'était aux environs de 14h, si ma mémoire est bonne. En tout cas, entre 14h et 14h30. Les premières rafales de tirer, hein, c'était en plein jour. Donc il y a de quoi avoir peur. Prise en otage par les trafiquants, les habitants ont peur. Au printemps, 5 fusillades ont éclaté en plein jour. 4 ont été mortelles. Des balles perdues ont même franchi le boulevard qui ceinture le clos pour terminer leur course dans les vitres de ces commerces. Heureusement fermés. Pour en savoir plus, nous avons essayé de rencontrer les familles des victimes de ces règlements de compte. En vain. Certaines ont refusé de nous voir, d'autres ont quitté la ville. Plusieurs sont même repartis dans leur pays d'origine, en Afrique, en emportant la dépouille de leur enfant. Pourtant, ces morts tombés sous les balles vivent encore, grâce à Internet. Ressuscités dans des blogs, des sites personnels ou pages web, aux côtés d'images de Scarface, le film culte des cités qui glorifie les gangsters et les trafiquants de drogue. Partout sur le net, des hommages aux disparus de Stein. Tous nos disparus, toute notre famille, et ton prodige. Ici, sur ce site,
Un bandeau où défilent les photos de tous les morts. Et puis il y a ce clip, cette chanson, Trahison. Dans ce morceau, un rappeur du Clos Saint-Lazare, Samat, dénonce la violence meurtrière qui s'est abattue ici depuis 1995. Tuer un des nôtres nous fit respecter davantage. Mais nous ignorions jusqu'où ça nous mènerait. Certains ont fait leur premier pas ensemble. L'héroïne, les règlements de compte, la jalousie, l'argent facile, toute la vie de la cité. Plusieurs clans ont formé un gang. L'époque du franc n'existait pas l'euro. Le clan contre le franc, y avait pas encore l'héros. La mise en scène et en musique du quotidien. Bleu à la peau tatouée pouvait te déchiffrer. Tous ceux qui ont perdu un membre de leur famille. Ça fait mal, perdre une mère, un père, un frère, une sœur, cousin et cousine. Ouais, on perd un sens d'une balle, ça fait mal. Mais si certains prônent le calme et la réflexion, d'autres veulent surtout vanter une image rebelle, guerrière de la cité. Ça devient même l'endroit où il faut se montrer. Certains rappeurs viennent filmer leurs clips ici pour y chercher une crédibilité. Mais il y a plus inquiétant. Une autre vidéo réalisée au cœur du Clos Saint-Lazare circule sur Internet. De jeunes armés de pistolets mitrailleurs interrompent le tournage d'un clip de rap. Arrêtez. On pèse les keufs, nous. On pèse les matins, ces fils de pute. 93 teints. Dans une pareille ambiance, peu ose parler. Après plusieurs semaines passées dans la cité à rencontrer des habitants comme ça, sans caméra, c'est la musique qui va nous faciliter le premier contact. Nous voilà invités à l'enregistrement d'un album avec Béton Armé, le premier groupe de rap du quartier. Au printemps dernier, Mamadou, leur leader, a été exécuté. Cette mort, ils ne l'ont pas admise, pas comprise. Alors aujourd'hui, ils acceptent de nous expliquer leur réalité. Nous sommes enfin cooptés. Et grâce à eux, les portes de la cité vont s'ouvrir peu à peu. C'est la place, là. Ici, c'est la place. Ici. Voici Joe, une personnalité. 38 ans, dont 10 ans passés en prison. 38 ans, l'âge de la cité. Le maire de Stein, c'est son nom, son blase, comme ils disent. Et monsieur le maire commence par nous expliquer la signification de ces tags. En fait, des monuments aux morts. Alors là, on voit des fleurs. Et ça, c'est les âmes de nos amis qui montent dans le ciel, tu vois, je veux dire. C'est une grande dédicace à eux, à leur famille. Comme ça, ils savent que nous, on ne les a pas oubliés. Nous, on n'oublie pas les gens de la commune qui nous ont quittés, parce que c'est toujours des trucs qui sont durs. Moi, c'était des gens que je connaissais, c'était des gens de ma génération. Malheureusement, j'ai perdu beaucoup de gens de ma génération, parce qu'il y en a beaucoup qui ont touché à la drogue, à la cam, tout ça. Mort d'avoir touché à la drogue, à la cam, c'est comme ça, c'est le business. Leur réalité quotidienne. Une fatalité, selon eux. C'est très très facile d'être confronté à l'argent facile. Faut pas se voler la face. Mais c'est partout pareil, hein. C'est pas spécialement au Clos. Faut pas se voler la face. Donc qu'est-ce qu'on fait On doit voler maintenant pour manger, on doit faire quoi? Qu'est-ce qu'on fait? Si t'as envie de manger un truc, on va avoir de l'argent. Tu vois, je veux dire, ça veut dire que tu choisis pas ton business. Aujourd'hui, c'est l'héros comme ça pourrait être des téléphones portables. Voilà, ça peut être tout. Non, c'est pas les parents immigrés, ils parlent à peine français, qui vont nous aider pour des leçons de français ou de maths et tout. Ouais. Il y a de fortes chances de tomber dans le deal. C'est pour ça qu'il y a la part de la société dedans. Nous, on est les genres de cité. Donc les jeunes, ils ont oublié. C'est notre monde à nous. Il n'y a que nous, on peut comprendre ce monde ici. Les gens de l'extérieur, ils ne peuvent pas comprendre c'est quoi les quartiers populaires. Qu'en veux-toi au pouvoir public, aux municipalités, à l'État, à la police, de ne pas être intervenu pour faire changer ça entre eux? Bien sûr, plutôt. C'est normal. Moi, je les déteste, ces gens-là. C'est pas ma tasse de thé, moi. Tu vois, moi, je suis pour le ghetto, je ne suis pas pour ces gens-là. Je
faut faire être dans ce côté-là, puis être de leur côté à eux. Moi, je ne retourne pas ma veste, mais je suis un guerrier, je suis un soldat. Ouais, mais malheureusement, on vit dans une époque où les choses ne changeront pas. T'as beau venir faire 20 reportages ici, ça ne changera rien du tout. Ça ne va rien changer. On est parti dans un monde, regarde, à l'Elysée, ils n'arrivent même pas à s'en sortir eux-mêmes pour gérer la planète. Alors qu'est-ce qu'ils croient qu'ils vont gérer quoi ici? Ils ne vont rien gérer du tout. Ici, c'est nous, on gère ici, c'est tout. Voilà, c'est nous, on est livrés à nous, ils nous ont jetés dans le ghetto, ben on se démerde comme on peut. Il faudra passer plusieurs semaines avec les anciens pour mieux comprendre ce qu'ils appellent leur bitume, leur ghetto. Mieux comprendre comment le trafic de drogue a gangréné la cité. C'est ça, ici c'est la street, hein. Clos Saint-Lazare, Présidiale, Poulet, Poisson, on va se mettre bien. Au clos, presque plus de services publics, presque plus de commerce. Alors faut s'organiser. La cité ne vit plus, il lui redonne des couleurs, de la chaleur, un peu comme au pays. Pour l'instant, nous ne sommes que tolérés. Comme il le répète souvent, on n'est pas d'ici. Pourtant, chaque jour, un personnage se livre un peu plus. Tous ont une histoire, un passé. Hey, je vais faire rapidement des photos parce que mon sac, c'est quoi, j'ai plus de batterie. Super photographe. Ashless a été SDF au clos avant de devenir le photographe de la cité et de ses stars. Ashless a tout vécu. Tout vu de la lente descente aux enfers du quartier. Ma mère, elle m'a toujours éduqué les bonnes choses. Elle m'a jamais dit d'aller faire des conneries, tu vois, ou d'aller vendre des trucs. Mais malgré ça, j'en ai fait des conneries, ça m'a pas empêché d'en faire. Et voilà. Tu vois, tout le problème est là, c'est que moi, j'avais rien d'autre à foutre concernant. Je suis pas bête, j'ai pas voulu faire du mal à des gens, mais il fallait que j'arrive à vivre au moins, tu vois, à sortir, à m'habiller, etc. Donc des fois, t'es poussé à faire certaines choses, ouais, qui sont mal pour la société, ça c'est clair, tu vois. J'ai mis le couteau sous la gorge à personne, tu vois ce que je veux dire. Mais malgré tout, des fois, tu fais des choses qui sont... T'as besoin de manger. Le fait de grandir en plus dans ce milieu-là, tu vois, qu'est-ce que tu veux qu'ils voient d'autre que de l'oseille, de la merde et de l'oseille? Tu vois ce que je veux te dire? C'est-à-dire qu'il n'y a que ça devant eux. Alors à choisir entre la merde et l'oseille, tu fais vite ton choix. Hein. Tu fais trop vite ton choix. Pourquoi? Parce que t'as rien d'autre. T'as rien d'autre. C'est mort. La drogue pour survivre. Une explication qui revient souvent. Mais les exécutions en pleine rue, en plein jour, pourquoi ces jeunes se sont-ils entretués? Nous n'avons toujours pas de réponse. Pour avancer dans notre enquête, il nous faut maintenant tenter d'aller au plus près du trafic. Qui vend la drogue? Où? Comment? Quand? Qui l'achète? Malgré des semaines de présence, d'aller et retour dans la cité, un constat. Pour un œil non averti, le trafic est invisible. Le signe, ce camion d'une association d'aide aux toxicomanes, Aide. Une porte que nous allons essayer de pousser pour remonter jusqu'aux trafiquants. Nous, ce qu'on cherche, c'est trouver un endroit où on peut rencontrer les consommateurs, les usagers de drogue, dans un cadre à peu près tranquille. Donc on n'a pas forcément envie d'être dans les plans là où ça se passe, mais en général pas trop loin parce que c'est là que les gens passent. Et afin de pouvoir tranquillement discuter avec eux, leur proposer du matériel propre, prendre le temps avec eux de discuter, de causer. Donc on n'a pas forcément... Si on est directement sur les plans là où ça se passe, les gens, ils ont pas envie de rester. Quoi. Non, c'est pas. De toute façon, les dealers nous jetteraient. Ouais. Les dealers nous jetteraient. Ce que j'arrive pas à comprendre, c'est que les dealers, justement, n'acceptent pas que vous soyez là. Parce... Ils veulent pas être visibles, ils veulent pas être vus. Ça leur casse leur business et ça peut leur attirer les flics. Enfin, ils sont dans la parano. Le fait qu'on permette aux gens de préserver leur santé, ça en tant que tel, bon, ça ne les dérange pas, mais c'est de rendre les choses visibles, quoi, qui peut poser problème. Donc c'est vrai que nous, on n'a pas d'objectif particulier vis-à-vis des dealers. Ce qui nous intéresse, c'est de rencontrer les consommateurs. À présent, il faut attendre. Les consommateurs, comme les dealers, tous sont très méfiants. Nous allons donc vivre aux côtés de Aide. Inlassablement revenir, coûte que coûte, établir le contact avec un toxicomane, lui parler,
gagner sa confiance. Un rendez-vous manqué, il faut tout recommencer. Nous devons également être discrets car nous savons que nous sommes nous aussi surveillés par les dealers et nous ne souhaitons pas mettre en danger nos témoins. Au bout de 3 semaines, un habitué du clos accepte de nous répondre. Nous l'appellerons Miguel. Pour sa sécurité, nous ne verrons pas son visage. Moi, ça fait 15 ans. En tout. 15 ans que je vais au clos. Et c'est jamais en panne. Et pourquoi le clos? Parce que t'as toutes les qualités. Et c'est jamais en panne. T'es sûr de trouver de la cam là-bas, quoi. Et quand tu parles d'en trouver, tu trouves quoi? De tout? De l'héroïne, de la cocaïne? Tout, hein. Ça peut être du shit, la bœuf, la coque, ce que tu veux. Et quand je te dis l'héros, c'est que t'as le choix. Quoi. T'as la blanche, et la jaune et la marron. Et là-bas, c'est la nouvelle plaque tournante, on va dire. Vous considérez avec ton copain comme de grands consommateurs d'héroïne? Bah ouais, quand même, au bout de 15 ans. Hein. Des gros consommateurs. Hein. C'est-à-dire que tous les jours, vous allez acheter là-bas au Clos Saint-Lazare? Enfin, on va dire entre minimum 2, voire maximum 6. 6 grammes. C'est quand même du 300 euros, quoi. Par jour. Comment vous faites pour trouver l'argent? Alors, on travaille, hein. À droite et à gauche, quoi. Enfin, voilà, quoi. Sans faire des trucs méchants, quoi. On va pas arracher les vieilles ou ceci, cela. Travailler, c'est... Enfin, on va taper un camion... Voilà, quoi. Portefeuille, à la rigueur, mais bon, voilà. Des trucs comme ça, quoi. On va à Roissy, et puis voilà, on travaille. Après, ça doit être la chance. Je sais pas si je vais prendre, on va dire, allez, 1000 euros, les 1000 euros, je vais les mettre dans la cave. Ça va me faire, on va dire, 2 jours. En confiance, il nous propose de le suivre et d'assister à ce qu'il fait tous les jours, se procurer de l'héroïne. Nous réaliserons cette scène en caméra cachée. Et là, première surprise, Miguel nous ramène dans un endroit que nous connaissons bien, au centre commercial. Entrer dans un immeuble, 3e étage, pour savoir s'il y a un vendeur, un sifflement. Pas de réponse, le vendeur est ailleurs. Mais ça ne trouble pas notre guide habitué des lieux. Direction, un autre point de deal, à quelques mètres seulement, à l'autre entrée de l'immeuble. Là, même scénario, 3e étage, un sifflement. Et apparaît alors l'autre visage du Clos Saint-Lazare. Notre acheteur repart tranquillement de la place vers d'autres points de vente. Nous réalisons que tous les immeubles, toutes les caves, terrains de basket et même parking de fast-food sont des lieux potentiels de deal. Il y en aurait plus d'une dizaine au Clos Saint-Lazare. Nous les avons illustrés approximativement en rouge sur cette carte, mais les lieux changent très souvent. Le trafic se fait partout, à toute heure de la journée. Les mecs, ils sont organisés. C'est un terrain avec une équipe. Et ils défendent leur terrain. Ouais, c'est ce qu'on appelle un terrain. Le terrain, il lâche pas comme ça. Des équipes de, je sais pas, moi, on va dire 15, 20 mecs peut-être, ils sont dessus. Ça va, je te dis, du guetteur au... Non, on va dire jusqu'au mec qui ramène. Après, à ce niveau-là, je pense pas que les flics, ils devraient avoir plus loin, quoi. Tu vois, quand tu vas là-bas, ils savent quand les flics, ils sont en flanc, machin, ils le savent. Ils te disent. Tu viens, ils disent, ouais, fais gaffe, et les keufs sont telle voiture, et il y a même un qui habite là. Ils savent tout. Tout ce qui se passe dans la cité, ils savent ce qui se passe. Ah, c'est pas des rigolos, les mecs. Non, non, c'est des bons. Parce que les mecs, ils sont super bien organisés, quoi. C'est comme une petite mafia, quoi. Et cette mafia va prendre forme sous nos yeux. Miguel, toujours à la recherche de sa dose d'héroïne, prend contact par téléphone avec un revendeur. Ah, il est dingue. Première étape, un rabatteur nous indique un point de vente. 2e étape, ici, devant l'arrêt de bus, voici le guetteur habillé en blanc. Aucun signal, la voie est libre, nous pouvons aller acheter de l'autre côté de la rue. Ah, désolé, c'est tout le monde des bonbons. Ouais, j'en fais deux. Et quand j'ai pris...
On est ici. C'est là. Tu te mets là-bas sur le banc. Faut jamais sur le banc. C'est la caisse de nos jours, là, ça. En 30 secondes, nous avons acheté 4 grammes d'héroïne pour 200 euros. Le vendeur n'a pas 15 ans. Nous sommes à 500 mètres du commissariat. Aussi simplement que ça, cette opération se reproduirait plusieurs centaines de fois chaque jour. Et la police le sait. Selon un rapport d'enquête, le trafic de drogue au Clos Saint-Lazare rapporte gros. Le chiffre d'affaires moyen d'un point de vente est de 3500 euros par jour. Le plus rentable atteint même 15 000 euros. Le trafic de drogue dans la cité représenterait donc près de 1 500 000 euros par mois. Voilà peut-être l'explication de ces règlements de compte sanglants. Et dans leur rapport, les policiers disent la même chose. C'est l'immense potentiel lucratif de cette cité qui génère cette lutte particulièrement meurtrière pour le contrôle du trafic. Pour mieux saisir l'ampleur de ce marché, nous avons voulu rencontrer les trafiquants et nous avons retrouvé un des premiers dealers du Clos. Il a accepté de nous recevoir chez lui, dans le sud de la France, pour nous expliquer son parcours. Comment il a commencé, pourquoi il a arrêté. Je vois beaucoup de gens prendre de l'argent, tu te dis, bon écoute, pourquoi pas moi, au pire, vite fait. Et puis, tu essaies de rentrer dans ces affaires-là, quoi. Donc tu te renseignes à droite à gauche pour comment avoir ci, comment avoir ça. Et puis après, quand il y a des gens qui te font assez confiance, tu donnes ce qu'ils doivent te donner, et toi tu fais tes affaires, en fait. Tu sais, c'est pas des histoires de, ouais, genre, on va niquer la société, ou des délires comme ça, hein. C'est pas une histoire pour jouer le parrain non plus, ça n'a rien à voir. C'est pas pour jouer le parrain, c'est juste pour gagner son oseille. C'est-à-dire que, voilà, on voit tous des gens profiter plus ou moins de leur jeunesse. Toi, tu sais ici que t'as rien. T'essaies de profiter à ta façon, par tes propres moyens. Et tu vois que le moyen le plus facile, effectivement, c'est peut-être celui-là. Comment ça se passait pour toi? T'avais un hall d'immeuble, c'est ça, ce qu'on appelle un terrain? Voilà. Un hall d'immeuble. Ouais, moi, j'avais un petit coin, pépère. Et puis, t'as vu, en étant là, quand les gens ils viennent, ils te demandent est-ce qu'il n'y a pas chose qu'elle, suivant les têtes, tu dis oui ou non. Et puis après, toi, tu donnes tes affaires. Et c'est tout. Ouais, c'est vrai que j'ai fait ça, je gagnais mon argent. Aujourd'hui, je... C'est-à-dire que je gagnais mon argent? Écoute, moi, à l'époque, c'est clair que je restais quand même pas longtemps dans la journée à faire ce genre de trucs, mais je me faisais peut-être facilement mes 5000 francs, voire bien plus, c'est sûr. Par jour? Par jour, ouais. Moi déjà, tu vois, à mon époque, je savais que c'était quand même pas mal. Et pour quelqu'un, tu vois, qui n'était pas genre à 100% là-dedans, tu vois ce que je veux dire. Et je dirais qu'aujourd'hui, moi, quelqu'un, ouais, qui fait ça vraiment à 100% et qui s'y consacre, il se fait quand même vraiment, vraiment pas mal d'oseille, ça c'est sûr. Au moment où je me suis arrêté, ça commençait à être la peur de l'autre. Parce que il y en a qui sont assez jeunes et qui se disent, bon, écoute, hein, lui mettre une bastos, ça arrangerait quand même pas mal de choses et ils ont peut-être pas la même façon de raisonner que toi. T'as eu peur de mourir? Moi, ouais. Surtout pour une connerie pareille, tu vois. Physiquement, tu l'as senti? Physiquement, je l'ai senti. J'ai ressenti les menaces, ouais, Voilà. Des gens que tu connaissais? Avec des gens que je connaissais, ouais. Tout le monde se connaît, tu sais, là-bas. Donc voilà, hein. Tu peux pas dire que tu connaissais pas. Tu t'es vu basculer, toi, de l'autre côté, en disant pour ne pas mourir, il faudra peut-être que je tue. Ben ouais. Et c'est pour ça que j'ai arrêté. T'en es arrivé là? Voilà. Et tu sais, je me suis dit, écoute, hein, rien ne vaut la liberté, tu vois. Alors demain, si jamais c'est pour aller faire le bad boy, ok, je pourrais dire, ouais, t'es mal, lui, j'ai mis une bastos, ça se fisse de pute. Genre, tu fais le mec mauvais, tu vois. Mais le mec mauvais, après, il se retrouve entre quatre murs. Et ces 4 millions-là, je sais qu'ils positivent rien dans ta vie. Ils positivent rien. Si c'est pour ressortir et être deux fois plus mauvais, je voulais même pas. Aujourd'hui, retiré du business, comme il dit, il avoue ne pas comprendre la nouvelle génération du Clos, pour qui la vie n'a plus de valeur. Hey,
Pendant plusieurs semaines, nous avons côtoyé ces nouveaux dealers. Finalement, un seul va accepter de nous parler, de nous expliquer ses règlements de compte. Il a fait de la prison pour homicide involontaire. Pourquoi il se tue? Bah, parce que c'est pour, voilà, c'est moi qui contrôle, donc c'est moi qui, voilà. Et dès qu'il y a un petit accrochage, maintenant, surtout aujourd'hui, les mecs, juste un regard, juste une cigarette, une connerie comme ça, il peut te tirer dessus. Même tu connais pas, à un moment ou à un autre, quand il y a trop d'argent en jeu, la tête est tendue, quoi. Que ce soit ton pote ou pas ton pote, si vraiment on est des potes, il y a des amis à moi qui sont déjà pris la tête, bon, pas à se tirer dessus, mais voilà, quoi, si vraiment ils auraient peut-être été enfroyés, ils seraient tirés dessus. Mais non, les petits jeunes, je pense que, non, ils ont peur de rien, les petits jeunes. Les petits jeunes, ils ont peur de rien. Je pense qu'un dealer doit toujours avoir son arme. Ne serait-ce que pour faire leurs transactions, je pense que les mecs ne viennent jamais les mains dans les poches, quoi. Ils viennent toujours enfroyés. Depuis 1995, les morts s'additionnent. Tous les ans ou presque, un jeune de la cité est abattu, poignardé, jeté du haut d'une tour. Mais seule la mort de cet homme, Rico, a été élucidée et jugée. Selon la police, c'est lui qui le premier aurait organisé le trafic d'héroïne. Après d'importantes interpellations en 2004, aujourd'hui les enquêteurs semblent impuissants. Malgré notre présence quasi quotidienne pendant 4 mois, nous n'avons pas croisé beaucoup de patrouilles sur le terrain. La seule image est celle-ci, volée un midi. Nous aurons cependant un début d'explication, un jour de marché, en rencontrant un policier du commissariat de Stain. Il ne savait pas que notre caméra tournait. Ici, quand vous voyez qu'il y a des journées, il y a un véhicule de flics, donc 3 flics dans un véhicule pour Stain et Pierrefitte. À Stain, il y a combien d'habitants? 32 000. Pierrefitte, on va dire pareil. Donc ça fait les 70 000 personnes, 3 flics dans une voiture. À la fois, nous, on s'adapte. Mais pour la sécurité de tout le monde, c'est pas bien. Et raison de plus, on n'est pas trop au service des gens. Nous avons voulu savoir comment les services de police enquêtent depuis 12 ans sur ces règlements de compte. Mais aucune autorisation ne nous a été accordée. Seul, il y a quelques jours, l'interview du directeur de la sécurité publique de Seine-Saint-Denis nous a été concédée. Il n'est pas chargé de l'enquête criminelle et nous parlera uniquement du trafic de stupéfiants. Alors pourquoi on n'a pas stoppé le trafic? C'est une question auquel on ne peut pas donner de réponse. Pourquoi la délinquance s'arrête pas? Pourquoi la terre continue de tourner? Réponse surprenante. La police avoue à mots couverts son échec et se fait peu d'illusions sur ses propres capacités à stopper le trafic. Au Clos Saint-Lazare, eh bien, la police est en attente d'informations. Et bien sûr, elle obtient elle-même des informations par des moyens qui lui sont propres, et bien sûr, tout ça contrôlé par l'autorité judiciaire. Mais il est clair qu'aujourd'hui, lorsqu'on veut se débarrasser d'un phénomène, c'est une cause commune. Je crois que tout le monde est concerné par cela. Il ne suffit pas d'avoir une réaction, que je comprends d'ailleurs, une réaction épidermique en disant « faut que ça cesse » et « on se mobilise ». Mais c'est tout à fait logique de se mobiliser sur le plan du verbe. Le seul problème, c'est que le policier, il agit. Et il n'agit pas exclusivement comme ça, en devinant un matin, tiens, voilà un trafiquant, le policier a besoin de renseignements pour étayer le trafic. Seule solution pour eux, que la population dénonce les trafiquants. Mais dans les faits, à ce jour, la justice a reçu très peu d'informations des habitants. Et la procureure du tribunal de Bobigny, qui a créé un groupe de travail sur le Clos Saint-Lazare, en connaît la raison. Je dis que dans une cité où on compte un nombre aussi important d'actes violents, il est clair que la population peut avoir peur de représailles, de pressions, et que partant de là, elle peut avoir peur de témoigner sur tel ou tel fait. Selon Solange Morachini, pour redonner confiance aux habitants, il y a une solution. Que la police s'attaque enfin au problème du trafic d'armes. Ces filières d'approvisionnement en petite quantité d'armes dans les cités, on ne va pas me dire qu'elles ne sont pas connues ou identifiées. On ne va pas me dire qu'on se retrouve toujours dans une situation de constater a posteriori. Moi, ce que je souhaite, c'est qu'on ait suffisamment, les uns et les autres, conscience, tous les partenaires, que ces images sont intolérables et qu'il faut
arriver à mettre en place des dispositifs de renseignement et d'information pour que ces armes puissent être appréhendées par les services de police et les auteurs de ces transports et de ces ventes traduits devant les tribunaux correctionnels. Si on n'arrive pas à poser que la détention d'une arme, c'est une infraction à la loi pénale, une infraction grave, je crois que on arrive peu ou prou à considérer que ça fait partie du paysage. Moi, c'est une image que je refuse. Justice, police, l'impuissance des pouvoirs publics énerve les habitants du Clos, d'autant qu'ils ont le sentiment que leur quotidien se dégrade. Que fait la municipalité pour essayer de pallier à tout ça, essayer de solutionner ce problème, parce qu'on ne peut pas vivre dans un quartier où certains parents ont peur de que leurs enfants aient dehors, où ont peur de sortir. Là derrière vous, vous avez ce qu'on appelle un terrain de foot avec des herbes hautes de 2 mètres. C'est la municipalité. Nous, on n'a pas de service technique, on ne va pas s'amuser à prendre des tondeuses pour tondre un terrain de foot. Que vous allez à la mairie, vous envoyez balader, vous demandez un truc, c'est pas possible. Non, ça s'est complètement dégradé, ça s'est pas arrangé. Le maire, il vient ici, il tourne avec des gens, je sais pas qu'est-ce qu'il fait. Ça s'arrange pas, il fait rien, il s'en fout complètement. Les quartiers, t'as vu, il y avait plus de, je dirais, plus de vie, ouais, au niveau. Au sens où le maire et son équipe, ils se démènent un peu, tu vois, histoire de redorer un peu ça par je sais pas moi, même des belles allées ou même des fleurs. Même si, tu vois, je suis sûr, tu vois, même le matin, tu te lèves, tu vois ça, t'as plus de gaieté, tu vois ce que je veux te dire. Regarde, c'est éclaté, ils font rien pour nous, il y a du désherbage à faire. Bon, voilà, c'est-à-dire, c'est nous, on doit tout faire. Moi, je pense que s'il y aurait plus de jeux et tout, de divertissement, comme on dit, le jeune serait moins accessible à l'argent facile. À plusieurs reprises, nous avons essayé de rencontrer le maire. Au final, il nous aura fallu patienter plusieurs semaines pour l'approcher. Une interview sous condition. Parler des grands travaux de monsieur le maire, comme la création de cette école. 10 millions d'euros empruntés sur 20 ans. La situation financière de notre ville fait qu'on ne dégage pas d'autofinancement. Hein, tout le budget passe en fonctionnement. Donc de ce fait, tout ce qu'on fait, tout ce qu'on veut réaliser, on doit le financer par emprunt, essentiellement. Évidemment, on ne peut pas emprunter de façon illimitée. Hein, c'est comme un ménage hein, qui a besoin de renouveler la voiture ou d'acheter une maison, s'il n'y a pas d'argent, s'il n'y a pas les capacités pour rembourser ensuite, ils ne trouveront pas de financement, c'est pareil. Hein. Voici la réponse de Michel Beaumal aux habitants du Clos Saint-Lazare. Stain est la deuxième ville la plus pauvre de Seine-Saint-Denis. Et le maire, lui, accuse l'État d'avoir abandonné cette cité. Si le Clos s'est dégradé, c'est la faute des gouvernements successifs. Et si le sang coule, il n'y peut rien. Bien sûr qu'avant les fusillades, on voyait déjà des signes. Hein, avec, on avait des témoignages, on avait des choses qui corroboraient le fait qu'il y avait bien un trafic important de coke ou d'héroïne sur le quartier. Mais on ne pouvait pas imaginer que se déchaînerait une telle violence, quoi. C'était quand même difficile à imaginer. Hein. On a l'impression que vous êtes impuissant. Vous êtes, que vous étiez impuissant en 90, 95, quand ça est arrivé, quand l'héroïne s'est installée, que vous l'êtes encore aujourd'hui. Il y a eu 4 morts en 2 mois et demi. Vous n'êtes pas écouté? Tout le monde s'en fout? Non. Non, on ne peut pas dire de l'impuissance à prévoir ce type de choses, oui. Et qui pourrait prévoir des événements aussi tragiques. Face à cet aveu d'impuissance, nous sommes allés voir celui qui devrait le mieux connaître les jeunes du Clos, Azdine Taïbi, ancien éducateur de la cité et aujourd'hui maire adjoint chargé de la jeunesse. Est-ce qu'avec ces gens-là, vous parlez? Est-ce que vous avez un dialogue aujourd'hui? Pour être très franc avec vous, quand je parle avec quelqu'un, c'est pas marqué ici s'il est vendeur
vendeur de shit ou marqué ici violeur d'enfants ou marqué ici bac plus 5. C'est pas marqué sur le front. C'est pas marqué. Hein. Les gens n'arrivent pas avec une carte de visite en disant voilà, moi j'ai fait ça, maintenant on discute. Moi j'ai discuté avec tout le monde. Après que dans ce quartier-là, des individus se sont ont choisi telle ou telle route, c'est fort regrettable, mais je pense que ce qui est important, c'est de discuter avec tout le monde, mais c'est de dire aussi qu'il y a des droits et des devoirs à respecter. Ça, je pense que c'est important. C'est... Et ça, tout le monde l'entend ? Tout le monde l'entend. C'est toujours un peu compliqué. Compliqué. Ici, tout semble compliqué. La justice compte sur la police sur les habitants terrorisés, et au final, rien ne change. Et comme les institutions ont lâché prise, d'autres en ont profité. En une dizaine d'années, le Clos est devenu un supermarché des religions. Une église, une synagogue, deux mosquées, un local des témoins de Jéhovah et deux temples évangélistes dont celui du pasteur Daniel. C'est d'ailleurs le seul à nous avoir ouvert ses portes. Ici, on fait du soutien scolaire, de l'aide juridictionnelle. Le pasteur veut lutter contre la violence et pour ça, il a une technique simple. Occuper le terrain et attirer les jeunes par leur culture, leur musique. Vous pensez que vous pouvez faire quelque chose ? Ce qui est vrai, l'autorité divine doit avoir une place sur ces jeunes. Parce que sans la parole de Dieu, ces jeunes ne pourront jamais changer. C'est-à-dire que nous, étant les hommes investis du pouvoir par Dieu, c'est-à-dire nous qui conduisons ces jeunes. Vous voyez, vous avez vu les têtes qui sont là, c'est pas facile à canaliser, à conduire. Donc, mais ils écoutent au doigt à l'œil le pasteur. C'est-à-dire que c'est pas que nous avons une influence totale sur eux, mais ils savent que nous sommes une autorité de Dieu. C'est-à-dire quand on leur parle, ils comprennent. Quand on leur explique la parole, ils comprennent. Ils savent distinguer le mal et le bien. Et à défaut d'une autre, cette autorité-là rassemble. Ce jour-là, plus de 300 fidèles sont venus prier et chanter. Parmi eux, quelques jeunes du quartier touchés par les trafics de drogue et les règlements de compte. La mixité dans ces histoires-là, ça m'a fait du mal, bien sûr. Mais moi, je sais que j'ai la foi en Dieu et ça m'aide à espérer. À me dire que même s'il leur arrive quelque chose, il y a Dieu qui les protège. Et... Enfin, mes amis, ils ont été touchés, mais grâce à Dieu, justement, ils ont rien eu. Il y en a qui sont morts. Mais moi, je prie toujours pour eux, pour que Dieu les protège. Je m'inquiète pas. Je sais que tout va s'arranger, il n'y aura pas de problème. Avec Dieu, tout s'arrange. Et même s'il y a des épreuves, c'est sûr qu'il y aura des épreuves. Je ne vais pas dire que la vie, elle est belle, c'est pas vrai. Mais je sais qu'avec Dieu, au bout du compte, on sera toujours gagnant. Alors, que reste-t-il pour les habitants de cette cité? Quel est surtout l'avenir de ces enfants? Le mimétisme des anciens? Le sport? Le rap? Le business? Lui pense que tous peuvent s'en sortir si on les aide un peu. Trois fois par semaine, Jamal Ouamara, bénévolement, va chercher les jeunes et les invite dans ce gymnase à venir faire du sport. À s'ouvrir sur l'extérieur, comme il dit. Et le fait qu'ils viennent ici, ouais, je suis content. Ah ouais, je suis... Même s'il y en a un qui vient et qui s'éclate, moi j'ai gagné mon pari. Mais bon, c'est pas évident, c'est un gros travail. Un travail journalier, on va dire. Ils sont comment derrière la caricature du jeune gars costaud dans son immeuble? On a l'impression que c'est des anges. C'est des anges. Il faut savoir les prendre après, il faut pas... Moi je les... Comment dire? J'ai perdu le mot. Je ne les juge pas. Voilà. Moi j'ai pas de jugement à faire vis-à-vis de ces jeunes-là. Au contraire, moi mon but c'est de les faire venir à la salle. Qu'ils soient air méchant, air gentil, cool, méchant. J'ai pas de jugement à faire avec eux. Moi c'est viens, tu viens t'éclater. Après j'ai pas regardé ce qu'ils font dans leur quotidien. L'objectif c'est qu'ils viennent à la salle, ils viennent s'épanouir et essayer de trouver une place au sein de cette
cette discipline déjà. Et peut-être que ça va leur ouvrir des portes, peut-être qu'il y en a un qui sera champion, peut-être ça l'avenir nous vient, l'avenir nous vient. Nous allions quitter le Clos Saint-Lazare, le Clos Sauveau comme les jeunes l'appellent, sur cette note d'espoir. Mais au dernier moment, nous avons reçu un coup de téléphone d'un habitant de la cité. Il voulait absolument nous rencontrer avant notre départ. Ce n'est pas n'importe quel habitant, un ancien policier de Seine-Saint-Denis au contact des jeunes est très bien informé sur le trafic de drogue. Selon lui, les règlements de compte vont continuer. Au jour d'aujourd'hui, il semble que des contrats soient faits sur certaines personnes. Vous savez à peu près qui sont les personnes qui ont un contrat sur la tête aujourd'hui? C'est des gens qui sont actuellement très proches de l'économie parallèle. Ceux qui tiennent aujourd'hui ce flamboyant marché de la drogue. Ouais, on aurait dit dans le temps ceux qui tiennent le pavé. Ouais. Et je pense qu'il y aura toujours, tant l'ancienne génération et la nouvelle génération n'auront pas établi leur prérogative, il y aura toujours des dangers potentiels d'avoir des crimes de sang. Oui. On sait pertinemment, pour un contrat à bon prix, certains sont prêts à se faire exécuteurs des basses œuvres. À 50 000 francs, vous obtenez une personne qui va régler les comptes pour vous. Selon nos informations, la police connaît les noms des trafiquants menacés. Mais cet habitant a décidé de parler. Un signe peut-être que les choses peuvent changer. Que le silence ne fait plus la loi. Un témoignage? Peut-être enfin la réponse au cri d'une mère. Celle, anonyme, qui a déposé sur la tombe de son fils mort sous les balles, cette petite plaque de marbre. Parler de toi, c'est te faire exister. Ne rien dire serait oublier.